Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de NRTV Fait sa culture. Au programme de cette émission, vous trouverez de la photographie avec une magnifique exposition à voir à la Galerie Focale de Nyon, mais aussi de la musique avec notre invitée Marie-Hélène Piotet, directrice du Conservatoire de l'Ouest Vaudois. Bonjour. Bonjour. Et musique encore pour commencer, puisque je vous propose un petit tour du côté de Grandchamp à Gland, où la fanfare de Gland donnait son concert de Noël dimanche dernier. C'était aussi l'occasion pour nous de rencontrer son nouveau directeur, Frédéric Pittet, compte rendu d'une soirée bien remplie. Alors, on a une trentaine de musiciens. On répète tous les mardis dans notre salle de musique. Et puis la tranche d'âge, ça va entre, je dirais, 12 et 70, 75, voire même 80 ans. Alors, quelle est la teneur de cette soirée? On fait un concert de Noël, comme chaque année, où on joue un programme. Alors, c'est la chorale des écoles. Qui se joint à nous justement pour deux chants plus un autre chant accompagné à la fanfare qui est voici. Vous êtes fraîchement arrivé. Oui, depuis le mois de septembre, effectivement. Voilà. Comment est-ce que vous abordez cette mission? Ça sera plutôt dans la continuité. C'est vrai que si je peux apporter un petit plus, c'est vrai que ça serait génial. Mais principalement, pour ma première année, au sein de la direction de cette société, j'aspire vraiment dans la continuité, regarder comment ça se passe, et puis pourquoi pas, en fonction du programme, eh bien de mettre une petite touche personnelle, effectivement. Mais pour le moment, je ne peux pas trop vous dire. Ce sera donc sous la direction de Frédéric Pittet, notre nouveau directeur. Solidus. Super bien, oui. J'ai un excellent feeling avec cette société, les répétitions se passent super bien et justement je me réjouis d'être dans quelques minutes dans cette salle afin de pouvoir diriger cette société. On a le track? Oui, mais c'est toujours un petit peu au début, mais après quand on est sur scène, c'est vrai que ma foi on y est, on se lance, ouais. Et c'est toujours agréable. Le 13 janvier où on fait notre soirée Papet Vaudois. J'ai mon petit billet parce que sinon j'aurais tendance à tout oublier, qui est la salle de Montoly à Gland. Et puis ça se fait justement le 13 janvier 2018. Et nous avons également la soirée de la fanfare qui va se passer quant à elle le 24 mars à la salle communale à Gland. Retrouvez toutes les dates de concert, toutes les informations utiles, rendez-vous sur www.fanfaredegland.ch. La Galerie Focale propose une fois encore une superbe exposition avec les œuvres de la Belge Youkine Lefebvre, récompensée par le prix Focal Ville de Nyon 2017. Des photographies puissantes que vous pouvez encore voir jusqu'au 24 décembre. Petit tour
du propriétaire. Notamment diplômé de la formation supérieure en photographie du Centre d'enseignement professionnel de Vevey, la Belge Joukine Lefèvre s'est vue récompensée par le prix Focal Ville de Nyon pour son travail « Far from Home ». Far from Home, loin de la maison. Des portraits photographiques d'enfants placés dans un foyer isolé dans la montagne parce que leurs parents ne peuvent momentanément plus s'occuper d'eux. Autant d'enfants qui ne sont déjà plus tout à fait des enfants. Joukine Lefèvre nous montre des êtres en pleine transition dans un entre-deux. La photographe essaie de capter un moment d'abandon intérieur comme en suspension. Capturer un moment vrai et une certaine fragilité. Elle-même adoptée, Joukine Lefèvre part de son histoire personnelle, de sa propre connaissance de ses parcours complexes, pour embrasser le sujet de façon plus large et ouverte. L'intime, l'enfance, la mémoire et la famille étant des sujets récurrents dans son œuvre. C'est aussi cette façon de transformer une problématique personnelle en projet artistique qui a séduit le jury du prix Focal Ville de Nyon. Une exposition forte et cohérente que vous garderez en vous bien après avoir quitté la galerie Focal. Vous avez jusqu'au 24 décembre pour aller découvrir ces photographies délicates et élégantes, quelque part entre mélancolie et espoir. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Galerie Focal de Nyon, rendez-vous sur www.focal.ch. Marie-Hélène Piotet, bienvenue. Merci. Vous êtes la directrice du COV, Conservatoire de l'Ouest Vaudois. Peut-être pour commencer, au vu du reportage qu'on a vu tout à l'heure, en tant que directrice du COV, quel regard vous posez sur les fanfares ? Je crois que les fanfares dans le canton de Vaud ont un apport extrêmement important et je crois que le lien affectif des fanfares avec les habitants et les communes est essentiel pour faire partager une forme de musique, pour relier les habitants à une culture qui est populaire, mais il ne faut pas assimiler de la culture populaire à de la musique facile. Souvent les fanfares ont, même très souvent, un excellent niveau d'instruments, des chefs exigeants et préparent des répertoires qui sont assez remarquables au niveau des résultats. Oui. Et vous me disiez que parfois vous collaboriez avec les fanfares ? Alors on n'a pas collaboré exactement avec des fanfares, mais moi j'ai des collaborations au sein du COV avec par exemple l'ensemble Ad Libitum, avec dont le chef est le directeur de l'école musique de Nyon d'ailleurs. Et j'apprécie toujours ces collaborations parce que cette transversalité, ça nous permet en fait d'apprécier la musique autrement, puis de voir que ils savent faire de la musique tout aussi bien de leur côté. Donc c'est essentiel. Ouais. Alors il y a quelques jours, vous publiez le rapport d'activité du COV que voici. En deux mots comme ça, quel est votre bilan personnel pour cette année 2016-2017 ? Alors c'est un bilan assez positif, on a réussi à mettre sur pied et à renforcer nos ensembles. On a lancé un ensemble de petits violonistes à Morges depuis la rentrée et ils ont fait leur premier concert hier avec beaucoup de succès. L'ensemble de Nyon existait déjà depuis 3-4 ans, il fonctionne déjà bien, mais on voit qu'il continue à progresser puisque l'effectif a progressé de 9 élèves à 16 élèves cette année. Et on a surtout ouvert des nouvelles classes pour les tout-petits de cours d'initiation musicale des 2 ans. On a aussi amélioré le fonctionnement administratif
et on met en route actuellement tous les cursus pédagogiques qui sont liés à la Fondation de l'enseignement de la musique, qui nous en fait chapeaute et qui nous subventionne. Donc, bilan positif, oui. On peut dire. Le conservatoire, c'est des chiffres aussi qui sont assez impressionnants quand on les découvre comme ça. C'est 65 professeurs, près de 1000 élèves, 27 instruments enseignés et un budget à peu près de 3 millions de francs. À la lumière de ces chiffres, est-ce que ça ne donne pas un peu le vertige parfois d'être à la tête de ce navire ? Alors, le vertige, je dirais non. Parce qu'il y a pas mal de cohérence quand même au sein du COV avec les sections, on a 5 sections d'enseignement, tout est assez bien organisé. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail pour rester présent sur tous les terrains. On est répartis sur 7 communes différentes. On doit être présent, montrer qu'on donne des cours dans ces communes et répondre aussi aux attentes des parents qui apprécient d'avoir un enseignement de proximité. Et puis, il y a l'encadrement des professeurs qui font extrêmement bien leur travail, mais il faut les encourager, aller assister aux auditions. On a quand même un certain nombre d'auditions et de manifestations chaque année. Donc, la tâche est lourde, mais elle est extrêmement motivante. Oui. Mais alors, justement, quand on parle d'un budget de 3 millions de francs, on se doute que ce n'est pas forcément facile de trouver cet argent. Comment vous vous y prenez, en gros, pour financer le COV ? Alors, l'essentiel de la subvention que l'on reçoit vient de la Fondation de l'enseignement de la musique, qui est une fondation, en fait, qui dépend, en fait, de l'État de Vaud. Les communes participent pour une part et l'État de Vaud donne la même part. Et ça, ça nous finance à peu près, je dirais, 40% de notre budget. Après, il y a nos écolages, naturellement, ce que l'on demande comme écolage aux parents. Et ça, ça nous permet en fait de financer essentiellement les salaires des professeurs. On n'a pas énormément de marge, on doit faire assez attention. Pour tout ce qui est en fait fonctionnement de prix à donner aux élèves à la fin de l'année après les examens, pour ce qui est de certaines manifestations artistiques que l'on organise, on a des sponsors et des mécènes qui en fait nous soutiennent. Qui sont fidèles en général ? Assez fidèles. On a une saison de concert qui est en fait soutenue d'abord par la ville de Nyon, qui soutient cette saison de concert. Puis on a quelques sponsors qui aussi nous donnent des moyens pour faire de cette saison une jolie saison de concert. On a aussi donc un mécène qui nous soutient pour des bourses d'excellence ou des bourses sociales, qui sont importantes parce que tous les enfants ne peuvent pas accéder à ces cours, parce que c'est des cours quand même relativement chers. Il y a des familles qui ne peuvent pas se le permettre. Et il faut savoir qu'avec la Fondation de l'enseignement de la musique, la loi sur l'enseignement de la musique, les communes sont censées apporter des aides individuelles à ces familles qui aimeraient accéder aux cours de musique, mais qui ne peuvent pas se le payer. Ce qui permet de démocratiser un peu tout ça, en fait. Alors, c'était le but de la loi. Ouais. C'était de donner un accès plus aisé à tous aux études musicales. Ouais. Alors, en tant que directrice, vous assumez la responsabilité pédagogique, artistique, financière, administrative. Moi, ce qui m'intrigue et ce que j'ai envie de savoir, c'est quelle est votre implication artistique, par exemple, dans le COV, justement ? Alors, j'ai la chance d'avoir en fait d'excellentes collaboratrices qui me soutiennent en fait à l'administration, ce qui me permet quand même de consacrer une partie de mon temps pour être à l'écoute des projets que les professeurs ont envie de monter, monter des projets aussi moi-même. Et puis, j'ai toujours aimé cela. Je pense que c'est une part importante. Je pense qu'il faut qu'on offre plus que des cours de musique au sein de notre institution, la possibilité de se réaliser dans des projets, parce que ça donne un but, parce que c'est motivant. Puis quand les enfants voient que cette réalisation est positive, ça les valorise et ça leur donne une confiance extraordinaire. Et ils le redemandent. Ouais, j'imagine bien, j'imagine bien. Alors, en 2015, encore une fois, c'est ce qui était publié dans votre rapport. En 2015, le nombre d'élèves avait un tout petit peu chuté. Depuis, c'est remonté d'ailleurs. Comment vous expliquez ces fluctuations ? Et est-ce que vous les expliquez ? Alors, on ne peut pas toujours les expliquer. Des fois, c'est peut-être des fluctuations simplement dans certains groupes d'enseignement. Il me semble que la fluctuation là, et on avait eu un peu moins d'élèves dans les classes d'initiation. On a remonté la pente après en 2016. On était très heureux d'avoir remonté la pente. Là, on a une situation qui est stable au vu de ce qu'on a sorti comme chiffre. Donc, on ne peut pas toujours expliquer
la baisse d'élèves, si ce n'est qu'on a une population, je crois, sur l'arc lémanique, qui est une population assez mobile et qui consomme beaucoup d'activités. Ouais. Donc, c'est des personnes qui ont un pouvoir d'achat quand même relativement fort, qui peuvent en fait se permettre d'offrir pas mal d'activités à leurs enfants. Alors, peut-être que cette baisse a été juste provisoire. On a vu que ça s'est rétabli assez rapidement, mais je n'ai pas analysé la situation puisque j'ai repris la direction en fait depuis 2016. Mais je pense que c'était une petite baisse liée à une fluctuation qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce que vous êtes en concurrence avec d'autres instances qui proposent des services, disons, similaires? Et comment vous faites du coup pour vous démarquer, pour rester compétitif? Alors, ça ne doit pas être simple, j'imagine. Bon, notre credo, c'est exigence, qualité, plaisir. Oui. Une belle promesse. Une belle promesse, oui. Mais qu'on doit aussi satisfaire. Donc, on essaye en fait justement d'encadrer le mieux possible nos élèves. On essaye par la qualité en fait de nos cours. On n'a que des professeurs diplômés qui donnent des excellents cours. On essaye en fait de derrière nos professeurs et nos élèves pour toujours les motiver. C'est vrai que la concurrence est rude. Et c'est vrai qu'on doit aussi compter sur la publicité que l'on fait, la promotion. Mais on est en ce sens aidé aussi par les communes qui nous soutiennent parce qu'elles ont compris, en étant partenaires de la loi sur l'enseignement de la musique, qu'elles y avaient un intérêt à soutenir les institutions qu'elles aide à financer. Donc on est souvent sollicité pour des prestations en extérieur, des élèves vont jouer. On a eu des manifestations récemment sur Morges, mais on en a aussi souvent sur Nyon. Et ça nous permet en fait de montrer qu'on fait un excellent travail et que les élèves sont bien encadrés et ont du plaisir à faire de la musique. Ouais. Et alors les lieux centraux d'enseignement, c'est Nyon et Morges. Toutefois, on trouve des cours qui sont disséminés, par exemple, à Saint-Sulpice, à Aubonne, à Rolles. Comment ces cours sont répartis, en fait? Alors, l'essentiel, effectivement, à Morges et à Nyon, qui sont les deux plus gros centres. Et on avait des sites satellites, parce qu'en fait, vous savez, le Conservatoire de l'Ouest Vaudois, c'est un regroupement de sites. Absolument. Hein, et après, il y a une fusion plus importante entre Morges et Nyon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a gardé en fait les sites historiques et les parents apprécient cette proximité. Alors on n'a pas tous les enseignements sur chaque site parce que c'est impossible à mettre sur pied. Les communes doivent nous mettre des salles à disposition, donc c'est des fois compliqué au niveau des infrastructures. Mais c'est vrai que l'année précédente, on a souhaité développer le site de Gland. Donc on a réouvert des cours d'initiation qui marchent bien. Et on va continuer à développer certains enseignements qui sont demandés par la population. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut apporter aux parents parce que les parents modernes travaillent et ils apprécient que leurs enfants puissent aller participer à une activité proche de chez eux pour éviter d'avoir des problèmes de déplacement. Oui, tout à fait. Et alors, pour, je dirais, les années à venir, quels sont les changements que vous souhaitez apporter à la gouvernance du COV, par exemple? Alors, on souhaite améliorer encore la transversalité entre les sections, faire des projets justement entre la section jazz, la section classique. On va peut-être initier des... Enfin, peut-être pas. On a en fait un groupe de travail qui s'appelle le COV Innove et on va proposer des nouveaux enseignements. Et tout ceci va se mettre en place, je pense, à partir de 2018 jusqu'en 2020. C'est aussi lié à l'entrée de la pleine application de la loi sur l'enseignement de la musique, qui devrait se mettre en fait en vigueur pleinement, je pense, fin 2018-2019. Et ça nous oblige vraiment à proposer des cursus pédagogiques tous établis, à ce que les élèves suivent des examens. Mais les examens ne doivent pas avoir un côté punition, mais au contraire récompense du travail qui est fait, de l'encadrement qui est proposé. Oui, d'accord. On arrive déjà à la fin de l'entretien, on est même un petit peu en retard. Pour terminer, les gens qui voudraient en savoir plus, obtenir tous les renseignements utiles, le plus simple c'est le site covvo.ch. Oui, ou sinon notre numéro de téléphone pour nous atteindre les après-midi et on donne tous les renseignements utiles. D'accord, très bien. Eh bien, Marie-Hélène Piotet, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'est bientôt la fin de cette émission. Notez encore que ce samedi de 18h à 23h, vous pourrez patiner en musique et avec un casque sur les oreilles, puisque la patinoire de Nyon propose une silent disco
avec trois ambiances musicales à choix. L'entrée est libre, hors location des patins. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de NRTV Fait sa culture. D'ici là, prenez soin de vous.